Voilà, alors on est live. Est-ce que tout le monde m'entend? On va vérifier qu'il y a bien du son qui se passe. Et hey, quand je parle, c'est très bien. Je profite des quelques minutes du début avant de commencer proprement dit le live pour toujours faire un peu de nettoyage de poussière. Et ici, c'est une véritable catastrophe. Bon, ben, bonjour à tous. Je vais quand même laisser un peu de temps à ceux qui sont censés se réveiller, puisque il est 9h en France et il est ici chez moi 10h, donc moi ça fait déjà 4 bonnes heures que je suis réveillé. On va laisser un peu de temps aux gens de se connecter. Et donc dans un premier temps, ben, j'espère que vous avez tous passé tous déjà un bon week-end et que vous avez tous vos cafés, vos chocolats ou vos thés en main. Et histoire de bah, que ça soit agréable et sympa pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, pour ceux qui arrivent, je laisse encore un tout petit peu de temps, on va de nouveau mixer un titre, mais le projet des 3h20 que j'avais fait en live, donc j'avais fait ça, j'avais fait deux lives. Tiens, il y a monsieur Docteur Mimouni, mon acousticien. Entre autres aussi, hein. Il est aussi il boit mon vin, il boit mon Armagnac de 40 ans, et il vient manger des bons petits plats chez moi. Bref, je reviens sur la session qu'on a aujourd'hui. Donc, on avait mixé la dernière fois, on avait fait, c'était il y a 2 semaines, il me semble, j'avais fait le début d'une séance, donc d'un live de 3h20 où j'avais déjà fait le Melodyne, etc. Et on avait commencé à mixer le truc. Et on était arrivé en fait au stade où on avait déjà une première balance qui était déjà correcte. Et j'ai refait un live 5 jours après qui était là, qui était juste plutôt une histoire de montrer un peu là où j'étais arrivé. Et entre-temps, bon, le truc c'est fini. Donc là, le truc est parti au client. J'attends maintenant les premiers retours. Et donc maintenant, je vais donc attendre qu'il me renvoie les éventuelles corrections de mix. Et après, je reviendrai sur ça. Alors, en attendant, donc là, j'ai ouvert une toute nouvelle session. Donc c'est une session qui est doublement intéressante pour moi, puisque elle est arrivée par. Alors, le chanteur qui m'a envoyé cette séance à mixer s'appelle donc Sébastien Ferry. Et. Excusez-moi. Et en fait, c'est la première session qui est arrivée donc via la chaîne YouTube. Donc, c'est pas. En général, je travaille beaucoup avec les clients américains. Et donc là, c'est une session bien française. Donc, il m'a contacté via Instagram. Vous voyez que d'ailleurs vous avez mon logo, donc il est quelque part par là, dans le bas de l'écran. Donc ceux qui seraient éventuellement intéressés à ce que je leur mixe un titre comme donc Sébastien pour cette séance d'aujourd'hui. Donc vous n'hésitez pas, vous me contactez via Instagram. En général, on parle rapidement de l'histoire, du pourquoi, du comment, etc. Éventuellement des tarifs. Une fois qu'on arrive au stade où on veut avancer donc sur le mix, là on passe sur WhatsApp. En général, on se passe un petit coup de téléphone et vous avez après vous m'envoyez des pistes et comme aujourd'hui, voilà, ça va mixer. Donc voilà. Donc il m'a contacté, on a discuté un peu de sa chanson, il m'a envoyé des démos, il m'a expliqué que ça avait été mixé. Alors je sais pas si c'est lui qui l'a mixé ou si ça a été mixé par un pote, etc. Enfin, j'ai pas demandé. Enfin, il n'était pas content du truc. Bon, j'ai écouté la démo qu'il m'avait envoyée. C'était pas non plus une catastrophe, quoi. C'était correct, mais je lui expliquais que on peut faire nettement mieux que ça. Donc, il m'a envoyé les pistes. Donc, une fois que je reçois les pistes, ça, c'est la première chose que je fais. Alors, dans un premier temps, je fais une première balance du titre, simplement pour avoir simplement une idée. Donc, j'ouvre simplement les pistes. Alors, juste avant de l'ouvrir les pistes, ce que je fais, c'est que comme je sais que ça n'a pas été enregistré sur Pro Tools, donc ça vient d'un. J'ai pas demandé sur quel logiciel c'était pour le coup. J'aurais pu, mais c'est pas important. Donc, il y a un grand classique qui arrive quand on passe
d'un DAW à un autre, comme de Logic à Pro Tools, enfin en général souvent vers Pro Tools, c'est que les exports, sont toutes les pistes exportées sont en stéréo, même si elles sont en mono. Donc la première chose que je fais une fois que je reçois les pistes, donc toutes les pistes qui sont en stéréo, je via le Monitor Control Room, et de fait je peux le faire ici dans le Pro Tools aussi, donc je laisse en plein gauche, plein droite, je passe en mono et j'inverse la phase d'un côté de façon à voir si ça s'annule ou pas. Si j'ai une annulation absolument intégrale, donc j'ai absolument plus de son au moment où j'appuie sur le bouton donc d'inversion de phase, donc il m'inverse la phase sur le côté gauche. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, c'est deux fois la même piste, et donc, à ce moment-là, je n'ai aucun intérêt de garder la piste stéréo, donc je fais ce qu'on appelle split into mono. Et à ce moment-là, je fais d'abord une espèce de travail de nettoyage de façon à pouvoir retirer ce qui m'est inutile. Ça sert à rien de tout laisser en stéréo si à l'arrivée, c'est de la mono. Bon, pour des cas, des petites séances comme ça, c'est pas très grave, parce que c'est pas, y a pas beaucoup de pistes, mais quand je reçois des séances avec 150 pistes, là, c'est déjà un peu plus lourd, donc je préfère faire ce genre de choses. Une fois que j'ai reçu les pistes, alors évidemment, j'avais demandé, et vous allez comprendre pourquoi, donc à Sébastien, la façon dont ça a été enregistré. Donc en gros, tout est en MIDI, batterie, les basses, les instruments, le piano. On va passer toutes les pistes de façon générale. Les seules choses qui ont été vraiment enregistrées, ce sont les voix, évidemment, et les guitares. Donc, qui ont vraiment été jouées, je suppose, par lui. Donc, tout le reste était en MIDI. Et pour les guitares, alors, je vais faire un petit truc rapidement. C'est que je vais retirer dans l'immédiat celle-ci. Et vous allez comprendre pourquoi. Hop, voilà. Donc, on va la fermer. Donc voilà, grosso modo, les pistes que j'ai reçues. Je vous fais vraiment écouter. J'ai juste ouvert les pistes. J'ouvre pas dans les médias les pistes de voix. On les ouvrira un peu plus tard. Juste pour vous faire écouter un peu le délire donc de ce que j'ai reçu. Donc, ce qu'on a, on a une batterie MIDI, on a une basse MIDI, on a des strings, donc des cordes en MIDI, on a des instruments, trois pistes d'instruments avant en MIDI, un piano MIDI, et ensuite, on avait, donc à la base, une guitare acoustique, une guitare électrique, et on a ensuite une série de pistes de voix, donc on a le son dans l'ordre, hein, la lead, on a un double à la fin, trois pistes de chœur, et après des oufs qui sont ici. Voilà, tiens, salut Valentin. Donc, d'abord, ce que je lui ai proposé dans un premier temps, c'est... on va le faire dans l'autre sens. Ce que je lui ai demandé dans un premier temps, là, on touche un peu plus à la prod que à la... un instant, excusez-moi. Donc là, on touche un peu plus à la prod qu'à l'enregistrement pur. Donc, ce qui se passe, c'est que je lui ai demandé... de réenregistrer en fait simplement parce que comme on a peu d'éléments dans la chanson, j'aime bien avoir des éléments qui vont donner de la largeur au mix. Et donc je lui ai demandé dans un premier temps, qui est un truc tout ce qu'il y a de plus classique, de me réenregistrer une deuxième piste de guitare. Alors en fait il pensait qu'en ayant enregistré, parce qu'il a enregistré la guitare en stéréo avec deux micros, et ça donne pas le même effet d'avoir un micro plein gauche et un micro plein droite. Ça va juste mettre la guitare soit au centre, soit selon les volumes, plus ou moins à gauche ou à droite. Mais ça va pas donner l'effet de stéréo que d'avoir une deuxième guitare. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé de réenregistrer une deuxième fois la guitare acoustique et de m'envoyer la piste de façon, au lieu d'avoir, donc je vais vous le faire écouter en live, donc, au lieu d'avoir, simplement il n'y a rien pour l'instant, c'est brut de décoffrage. Donc, je vais ouvrir la guitare, celle qui m'a été envoyée au début, puis je vais rajouter la seconde pour que vous voyez un peu ce qui se passe.
Bon, vous voyez qu'en une fraction de seconde, simplement en ajoutant une piste de guitare, donc en doublant la guitare acoustique, qui est celle qui joue tout le long, donc d'un seul coup, pomp, on a élargi quelque chose d'assez large au niveau de la stéréo. Donc là, c'est vraiment déjà un truc tout bête qui va. C'est de la prod, hein, ce que j'ai fait, et ça va simplement donner une image plus large. Voilà. Et alors là, ça a été quelque chose qui a été. Alors ça a été un cadeau, mais parce que c'était le premier, faudra pas s'habituer à ce que je fasse trop de cadeaux non plus. Donc, ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est que. Alors en tant que batteur, ça me rend triste. Qu'on m'envoie des pistes de batterie MIDI, même si c'est à peu près correct, même si aujourd'hui on peut avoir des pistes MIDI qui sont à peu près qui sont sympas. Le problème principal que j'ai avec le MIDI, surtout avec les batteries, hein, et surtout en tant que batteur, un, c'est que ça sonne pas vrai, ça sonne pas à quelqu'un vraiment qui a joué. Et en plus, la plupart du temps, les pistes viennent pré-mixées. Donc il y a déjà de la compression, il y a déjà de l'égalisation, etc., etc. Et donc, au même titre que j'avais parlé sur une des vidéos précédentes, que de pas compresser le master comme un dingue parce que vous bouffez le travail de la gestion mastering, en m'envoyant des pistes qui sont déjà pré-mixées, pré-compressées, ça me bouffe en fait mon travail et j'ai plus grand-chose à faire sur ce genre de pistes puisqu'elles sont déjà. Je fais un petit peu les pieds et poings liés. Tiens, j'ai un de mes voisins qui est en train de percer, ça fait plaisir. Voilà. Donc. Ce que je lui ai proposé, je lui ai fait un package et je lui ai proposé de remplacer les pistes de batterie MIDI par des pistes de batterie acoustique. Donc, pour ce faire, j'ai la chance d'avoir pas mal d'amis musiciens et j'ai un ami qui est batteur, qui habite pas très loin de chez moi et c'est quelqu'un que je connais depuis des années, quelqu'un que j'ai même aidé avec Monsieur Mimouni, qui, je ne sais pas s'il est encore avec nous maintenant. À construire son studio. Enfin, moi, je lui ai surtout fait l'assistance technique au téléphone, même avant qu'il le fasse. Et puis, j'ai été plusieurs fois pour l'aider un petit peu, une fois que le studio était en place, pour mettre deux, trois trucs, pour le conseiller du matos, etc. Donc, merci pour ce live. Volume, la musique est trop basse versus la voix. Alors, je vais baisser ma voix. Je sais, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de. Il n'y a pas de possibilité de. De limiteur sur le master pour faire le truc monter. Je vais voir si je peux baisser ici un petit peu ma voix. Non, je pense qu'une fois que le stream est commencé, je ne peux plus le toucher. Hein. Bon, écoutez, il va falloir faire avec. Alors, éventuellement, je vais simplement retirer le micro. Puis je vais parler moins fort. Voilà, je suis désolé, c'est parce qu'il n'y a pas de limiteur sur le master. Donc en fait, ça sort un peu moins fort. C'est normal. Donc, je reviens sur mes histoires de batterie. Donc, j'ai appelé mon gars. Je sais que son studio est câblé H24. Ça veut dire que si je lui envoie des pistes, je lui demande d'enregistrer de la batterie, je sais qu'il peut faire ça s'il a le temps. Même sous une demi-heure, je reçois les pistes. Ça, il a. On va, de toute façon, vous allez le voir. Donc, je lui ai demandé de remplacer les pistes MIDI par des pistes. Des vraies pistes. Donc, ce que je vais faire pour que ce soit un peu plus fort, voilà. Donc, je vais simplement passer de la piste MIDI à la piste acoustique. Je vous rappelle que ce n'est absolument pas mixé du tout. C'est vraiment les pistes brutes. Il n'y a encore rien. Voilà, donc tout de suite, on a tout quelque chose qui est un autre délire, c'est déjà plus vivant, hein. Il faut se rappeler quand même qu'on fait ici de la musique et que c'est quand même plus sympa de partager ça avec d'autres musiciens. Donc, pour vous donner un peu le détail de comment ont été enregistrées la batterie, alors déjà, en fait, j'ai une simple petite vidéo, j'ai demandé au batteur de se filmer. Donc, on va entendre, voilà, la vidéo du batteur, on va entendre les pistes en solo.
l'ensemble tel que c'est enregistré. On va faire ça un petit peu plus grand pour que vous puissiez le voir. Donc, pour vous donner un petit peu le détail de la prise, donc mon pote s'appelle Barak. Le studio, c'est le sien. Donc, il a une salle, un live room, grosso modo, qui doit faire 30 mètres carrés avec du parquet, qui a été quand même bien, bien réalisé. Ça sonne plutôt pas mal. C'est un batteur de dingue. Hein. C'est un immense fan de... Tiens, ben Barak est ici, justement, en ligne avec nous. Donc c'est un super batteur, fan de Dave Weckl, donc on est à peu près tranquille, niveau technique c'est top, et niveau jeu c'est topissime, donc il n'y a rien à dire. Alors je ne sais pas si on le voit, mais juste ici il a une série de caisses claires, donc en général il en a une dizaine. Ce qu'il fait, c'est que dès qu'on lui envoie un titre, la première chose après l'avoir écouté, il va déjà sélectionner la caisse claire qui va être le plus adaptée. Donc là je pense que c'est une Ludwig Supraphonique en aluminium, hein, je suppose. Sa batterie, pour ceux que ça intéresse, c'est une Yamaha Maple Custom Absolute, il me semble. Et au niveau du set micro, alors on ne voit pas tout, mais je sais, parce que comme je connais bien son studio, donc je pense que sa caisse claire, c'est le SM57 dessus. Il a un Beta 81 dessous. La grosse caisse, il a un Beta 52 et un Subkick. Les tomes, vous le voyez ici, ce sont des Sennheiser 421, hein, c'est un classique de chez classique. Un micro de Charlet qui ici est un Neumann KM84, SM81 sur la ride. En général, je ne me sers pas de ce micro, je ne suis pas un fan de micro de ride. Et au-dessus de lui, ils sont suspendus via ces pieds de micro, je crois que ça s'appelle Orbit la marque. Donc, c'est en fait des pieds de micro qui peuvent se fixer au mur avec des boules au bout. Pardon, c'est une Yamaha Phoenix qu'il a, voyez, il me corrige. Voilà, c'est une PHX, donc la Phoenix. Donc, c'est le ultra, ultra haut de gamme de chez Yamaha. Il a 10, 12, 14, 16. Donc là, vous voyez, il a mis 10, 12, 16. Et le 14, il est ici. Il a deux tomes basses. Il a deux floor tomes et deux tomes ici. Et encore une fois, il a une flopée de caisses claires. Et pareil, les cymbales, il a des sacs et des sacs, des sacs. Là, ici, donc, on a des Sabian HHX, hein, je vois pour le nom. Il n'est pas sponsorisé, hein, mais il a du très beau matos. Bref, donc, il a deux micros qui sont des AKG 414, un peu vintage, hein, ben, les mêmes que les miens, les BULS, en overhead, qui sont au-dessus de la batterie. Et vous voyez ici, dans le fond, c'est une paire de TLM 102, donc en XY, qui sont donc des micros de room. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, je peux vous faire un peu écouter les pistes de batterie. Non, ça, c'est un peu dangereux de faire ça. En solo, histoire que vous puissiez un peu... on va les passer simplement les unes derrière les autres pour que vous puissiez un peu sentir comment ça sonne. D'abord, avant, je vous fais écouter l'ensemble de la piste batterie avec la vidéo parce que c'est sympa à voir. Et avec le son, évidemment, le son brut de décoffrage. Ah, autre chose, niveau des préamplis. Alors là, il s'est fait plaisir. Il a deux... Il me semble qu'il en a deux, un sûr, mais peut-être même deux. Le Nive, c'est l'octo-préamble de chez Nive, je crois que ça s'appelle le OPX ou un truc comme ça. Enfin, c'est une grosse, c'est 8 préamples 1073 de chez Nive, piloté d'ailleurs numériquement, enfin, c'est une vraie tuerie. Donc, niveau matos, là, on est au top à tout le niveau. Le batteur, il est top, la batterie, elle est top, la salle, elle est top, les micros sont top, donc on est parfait. Je vous fais écouter ça. Voilà donc pour la batterie, l'enregistrement de la batterie. Voilà, donc maintenant on va retirer ces pistes puisque je n'ai pas l'utilité. Voilà, on va retirer celle-ci aussi. Ça, c'était juste le micro de sa caméra. Voilà. On va passer rapidement les pistes de batterie pour vous les faire écouter quand même, parce que ça change quand même de façon nette du midi. Donc, grosso modo, on va écouter simplement par tranche, hein.
Donc on va écouter, je vais les passer les unes derrière les autres et vous allez tout de suite comprendre ce qui va se passer. David qui me dit son studio a la meilleure système de patch B. Oui, c'est vrai, David, quand il a fait son studio, il a mis des patchs B, ils ont fait un truc vraiment tip top, voilà. Non mais David, on sait que tu es au top, tu es un bon acousticien, tu es un bon ingénieur du son, et en plus tu t'aimes la bonne bouffe donc, et le bon vin, donc ça c'est bon, on est tranquille là. Allez, je vous fais écouter les pistes de batterie et de l'enregistrement une par une, c'est parti. Voilà, bon là j'espère que j'ai monté le son, je me suis monté le master ici, donc là normalement vous devriez avoir un peu plus de patate à la sortie. Voilà. Donc vous avez vu, j'ai passé l'intégralité des pistes, donc déjà dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va virer les pistes maintenant de midi, hein, à dégager, ça nous intéresse pas. Et voilà, je vais comme d'habitude mettre mes pistes de batterie en rouge, voilà, et on va faire quand même 2-3 modifications. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais, c'est bon, mon micro est ouvert, je vais donc amener entre guillemets ma template. Donc, j'ai l'habitude de d'avoir toujours des choses qui sont entre guillemets pré-programmées, mais ça reste quand même des petites choses dans le sens, j'ai pas un template de mix tout prêt. Après, je jette mes pistes dedans et puis c'est mixé. Non, non, il y a certaines choses que je reprends de façon plus ou moins systématique, mais ce sont surtout des options d'effet plus qu'autre chose. Donc je vais aller chercher tout ça bah, sur n'importe quelle séance que j'ai mixée récemment. Donc je fais comme ceci. On va aller chercher. Ça, c'était les pistes de batterie. On va prendre. Ouais, on va prendre celle-ci là. Allez, hop. Donc, ce que je cherche dans un premier temps, ce sont tout, en fait, tous mes effets, toutes mes pistes d'effets. Donc, ça, ce sont mes pistes d'effets, oups, des pistes d'effets donc de chant. Ensuite, j'ai des pistes d'effets de guitare. Donc, j'en ai trois. Ensuite, je ramène souvent, je dois avoir quelque part un, voilà, un nom, voilà, un string verbe. En général, ce que j'appelle string verb, ça marche aussi pour les. C'est en général tout ce qui est les cordes et les instruments aussi à avant. Ensuite, ce que je ramène, c'est. Ça, je pense que je n'aurais pas l'utilité. C'est j'aurais bien ramené ma piste de compression parallèle. Là, pour le coup, si elle est ici, voilà. Et je ramène ensuite ça et tout ceci. Et ça va sur le master. Non, on va faire un. On va faire comme ça. Voilà, je ramène évidemment, je retire toutes les automations, principalement les automations de volume. En général, il y a moins d'automations de panning sur ça. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Stéphane Weber, bonjour. Eh bien, bonjour à toi.
Le temps que les pistes soient ramenées, donc je vous laisse ben voilà, poser des questions si vous en avez envie. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va évidemment les dispatcher dans le mix de façon à ce que ça soit ordonné. Donc les pistes de voix après les voix. Les pistes d'effet de guitare après la guitare. Le string verb, il va aller ici. Le parallèle snare, il va ici. Et les pistes de batterie, je les mets dans. J'ai l'habitude d'avoir dans un certain ordre. Hein, c'est toujours comme ça. C'est grosse caisse, caisse claire. La caisse claire, le traitement parallèle de caisse claire, on viendra dessus. Les trois tomes, charlet, piste de charlet, et éventuellement une piste de ride, c'est le cas ici. Override, on roule toujours comme ça. C'est après une histoire de. Comme chacun fait comme il veut. Alors, on va retirer pour l'instant. On va se mettre en make inactif sur tout ceci. Ah merde, là j'ai fait l'ensemble. C'est juste, ce sont juste celles-ci que je vais mettre inactives. Voilà. Donc ça, c'est ce que je mets sur la piste master. Celle-là, je ne veux pas dans l'immédiat les entendre. Alors maintenant que toutes mes pistes sont amenées, il faut router l'intégralité de toutes ces pistes audio vers mon sommateur analogique. Donc pour ceux qui se rappellent, les pistes bleues, ce sont les pistes dont je vais virer ma tronche pour que vous puissiez le voir. Attendez, hop, je pense que ça, c'est ma tronche, non? Ah. Attendez, je peux virer ma tronche normalement. Ouais, voilà. Donc là, normalement, vous les voyez, les pistes bleues qui sont ici, ce sont les pistes qui vont vers mon sommateur. Donc quatre pistes stéréo. Et on va maintenant router toutes les pistes qui sont là-dedans vers ça. Alors, je vais remettre ma tronche. Voilà. Donc, toujours la même chose. Le master, donc toutes les voix. Les pistes de voix vont systématiquement vers les sorties du sommateur 1-2, vous voyez, summing 1-2. Ici, c'est déjà, comme ça va une autre séance, c'est déjà pré-routé. Les pistes de guitare vont systématiquement vers le 3-4. Toujours, quand je dis les pistes de voix ou les pistes de telle ou telle chose, c'est toujours les pistes plus effets. Le piano, on va mettre les flûtes, on va mettre tous les instruments avec. Donc, piano, cordes et instrument avant, le 5-6. Et ensuite, basse. S'il y avait eu de la percussion, ça aurait été la même chose. Ça aurait été dedans aussi. Tout ce qui est basse, batterie plus effet va dans le 7-8. Alors, les pistes, par contre, de batterie, elles, vont dans un bus qui est ici. Donc, le bus drum. Et on va faire des petites modifications. Déjà, on va retirer certaines choses. Voilà. Ça, on va le réactiver. Alors ça, c'est un énorme problème de Better Maker. C'est que nos amis chez Better Maker, que d'ailleurs j'appelle aujourd'hui plus Better Maker, mais Worst Maker, puisque ils sont censés faire mieux, mais de fait, ils font pire. Pour tous ceux qui parmi vous ont d'une certaine façon la chance de posséder des formats 500 de chez Better Maker, donc c'est le cas, celui qui est ici, là, on le voit. Les Better Maker, au même titre que les appareils de chez West Audio, on en a déjà parlé sur le live précédent et sur d'autres vidéos, ce sont des appareils qui sont purement analogiques, mais qui sont pilotés via un plug, donc, et c'est en fait, ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que pour ceux qui ont des boutons comme ceux qui est ici, par exemple, si je fais un mouvement, on le verra plus tard, sur ça va influencer sur le plug, inversement. Le Better Maker, lui, celui qui est ici, n'a absolument aucun bouton. Vous voyez, c'est juste une jolie façade noire. Et c'est géré purement par Pro Tools. Et donc, il y a un énorme problème. En fait, les gens de chez Better Maker ont arrêté de fabriquer les formats 500. Et non seulement ils ont arrêté de les fabriquer, mais ils ont aussi arrêté le support technique des formats 500. Ce qui fait que ceux qui ont Pro Tools et Cubase et qui fonctionnent avec ça, ben, vous aurez toujours des problèmes sur Windows, évidemment, de synchroniser. La synchronisation ne se fera pas automatiquement et de façon toute simple. Je suis obligé à systématiquement de déplacer, sortir le câble, déplacer le plug, rebrancher le câble, revenir le plug, de façon de réinitialiser le plug, de façon à ce que la connexion se fasse. Mais là, c'est bon, c'est fait. Vous voyez, ça fait tic-tac quand je bypass. Voilà, je le fais systématiquement.
Ok, alors on va fermer certaines pistes, on va fermer celle-ci par exemple, on va fermer celle-ci. Alors, dans un premier temps, je vais préparer deux pistes de batterie supplémentaires, deux pistes stéréo, parce que je n'aime pas avoir mes pistes de overhead et mes pistes de room sous forme de deux pistes mono. Donc je les prépare sous forme de stéréo, mais avant de faire ça, je rappelle toujours ma devise, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle, même si je connais bien le batteur et que je suis à peu près sûr que normalement il n'y a pas de souci, on va vérifier les histoires de mise en phase, donc des pistes. Vous voyez? Ah, donc il a juste fait ça. Okay, parce que ça, c'est des plugs que lui m'a envoyé. On va les retirer. Voilà. Ok, je vois pas l'intérêt de faire ce qu'il a fait, mais enfin bon. Ok, on va vérifier. Donc dans un premier temps, ce que je vérifie, c'est les overheads entre eux, et dans un second temps, les rooms entre eux. Une fois que la mise en phase et que je vérifie aussi que le centre est bon, je les balancerai sur une piste stéréo. Donc on va commencer par ceci. Voilà. Donc on va commencer par les overheads. Donc on va les mettre, on va désactiver les groupes. Hop, on va les mettre en solo et on va les écouter. Et sur l'une des deux, donc je vais me mettre en mono. D'abord, je vais rester en stéréo pour voir mon centre. Après, je passerai en mono et je vérifierai l'annulation. Non, on va commencer par l'annulation, puis ensuite on mettra le. Ah ben, je vais utiliser ça, tiens. Voilà un plug qui ne fait absolument aucune coloration. Hop, voilà. Donc dans un premier temps, je vais les vérifier, je vérifie la corrélation et ensuite je vérifierai si ma caisse claire, grosse caisse sont bien au centre. C'est parti. Voilà, donc là j'ai vérifié maintenant la mise en phase de mes deux. Tiens, j'ai un fader qui déconne aujourd'hui. C'est ça. Ah, ça y est, ah, ça arrive. Alors ça, c'est aussi un truc qu'il faut connaître sur les contrôleurs de chez Avid. Des fois, si le fader il n'est pas tout à fait bien placé, voilà, il touche et en fait ça accroche. Voilà, donc là maintenant, ma mise en phase, vous avez vu, hein, quand j'ai inversé la phase tout de suite, ça, le son est devenu tout fin. Donc, c'est bon, donc là je sais que maintenant mes overheads. Et après vous avez vu que on les a mis en stéréo dès que tout était à droite, donc j'ai recentré simplement en remontant la piste donc de gauche. Les overheads et de façon générale, mes mix batteries sont toujours placés en ce qu'on appelle en drummer view. Ça veut dire que je suis assis derrière le set, donc Charlie à droite, Ride à gauche, les toms donc de gauche vers la droite. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on prend ça et on le vire là-dedans. Ces pistes-là, j'en ai plus l'utilité. Hop, à dégager. Maintenant, même petit jeu avec mes petits micros de room. Donc d'abord, je vérifie en mono la mise en phase. Et dans un second temps, on vérifiera le droite-gauche. Donc on va retirer ce plug. Je vois d'ailleurs qu'il a inversé les phases. Donc je suppose que les overheads et le reste entre eux ne sont pas en phase. On verra ça dans un second temps. Voilà. Donc on va annuler ça. On se met machin et on écoute.
Voilà, donc là, on a eu, bon, là, il y avait peu de doutes. Hein, au moment où j'ai commencé au moment où j'ai annulé la phase, je me suis simplement rappelé qu'on avait deux micros XY, donc ils sont en fait juste l'un au-dessus de l'autre, les micros. Donc là, c'est flagrant. Alors, le problème du XY, c'est qu'en général, ils donnent pas une stéréo très large. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on fait avec ce qu'il y a. Voilà, donc maintenant, ça, c'est fait. On n'oublie pas, évidemment, de renvoyer tout ceci dans le bus batterie de façon à ce que tout soit bien ensemble. Voilà. Donc maintenant, dans un second temps, je vais vérifier la mise en phase de mes overheads et de mes rooms. Et après, je vérifierai la mise en phase de mes overheads avec toutes les autres pistes. Donc on va faire dans l'immédiat juste ça. Donc là, on va rester en stéréo. Je vais simplement mettre donc de nouveau mon EQ, une bande. Je prends vraiment le plug le plus basique. En général, je mets même le trim, hein, qui vraiment, je cherche le truc qui n'a absolument zéro coloration, quoi. Donc maintenant, on va écouter les overheads et les rooms ensemble et on va inverser la phase. Donc je vais les inverser de fait. Je préfère, si déjà je les inverse, que ça soit sur les overheads. C'est parti. Bon, alors c'est pas très franc. Donc des fois quand c'est pas très franc, je le fais simplement visuellement. Des fois, hein, c'est la bonne façon de faire. Alors ça aussi, hein, c'est un truc que je peux faire, je le fais de temps en temps, c'est que je réaligne. Il y a un plug qui le fait, hein, d'ailleurs. Je réaligne les pistes de batterie manuellement. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce plug qui lui en fait vérifie les pistes entre elles. S'il y en a un qui se rappelle comment le nom de ce plug, Timeline ou un truc comme ça. Enfin bref, donc ça vous permet il va simplement réaligner toutes les pistes. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que manuellement, hop hop hop, on va réaligner. Voilà, ce que je fais en général, c'est que je zoome durement. M'excuser, mais j'ai vraiment mal à la gorge en ce moment, un truc de dingue. Voilà. Donc là, ce que je vérifie, c'est vraiment que la toute première transitoire, vous voyez, elle soit à peu près au même endroit. Ouais, on peut déplacer, allez, encore un petit coup, voilà, pour le sport. Voilà. Et maintenant, on va refaire notre petit jeu avec, on va revenir avec le zoom normal, hein, voilà, et on va refaire l'expérience. Et là, normalement, ça devrait être beaucoup plus net. Alors, voilà, autoline, voilà, très bien, mais merci Stéphane. J'en profite pour faire une petite chose sur l'histoire de réaligner les pistes, parce que un jour on m'avait demandé, dans un commentaire, il y a quelqu'un qui m'avait écrit, est-ce que le fait de réaligner la différence de temps va pas en fait retirer le son de la réverb naturelle de la pièce? Non. Absolument pas, puisqu'en fait les micros de room ils sont là pour enregistrer la réverb. Si maintenant vous réalignez, encore une fois, hein, c'est pas des micros qui sont à 50 mètres. De fait, si c'était à 50 mètres, vous auriez vraiment un énorme problème de retard. Moi j'avais une salle dans mon ancien studio qui faisait 60 mètres carrés, donc elle faisait 10 par 6. Et un jour je m'étais amusé, donc la batterie était dans le fond d'une pièce et j'avais foutu des micros de l'autre côté à 10 mètres. Un petit peu moins, on va dire, excusez-moi. Hein. 9 mètres 50, on va dire. Eh bien j'avais vraiment. Ce qu'on appelle un flam, ça veut dire entendre deux coups. Pourtant, il y avait que 10 mètres. Hein. Enfin, c'était léger, mais ça s'entendait. Donc, réaligner, un, ça
ça peut régler un vos problèmes de phase et en aucun cas ça va retirer le son d'ambiance puisque le son d'ambiance c'est les micros qui enregistrent et c'est pas la différence de temps. Ça, la différence de temps c'est un peu comme du pré-delay d'une certaine façon, mais à ce niveau-là ça fait aucune différence. Voilà. Donc je reviens, je recoupe mon micro et on va revérifier, on va refaire le petit jeu. Donc, je vais partir du principe que si j'écoute purement la caisse claire, le pitch redescend, c'est-à-dire elle est moins aiguë quand j'inverse la phase. Donc on va partir du principe que, a priori, on a une légère inversion de phase. Après, c'est quelque chose qui peut être complètement réglé, mais bon, l'essentiel à l'arrivée, c'est que ça sonne. Voilà, donc maintenant, je ferme ma piste d'overhead. Je vais tout laisser, je vais remettre mes overheads en mono. Vous avez vu que je suis passé de stéréo à mono et inversement. Et maintenant, on va passer le reste des pistes. Donc, alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement changer de plug et mettre mon petit plug favori et activer l'inversion de phase. Comme ça, je ne l'oublie pas. Maintenant, on va faire donc la grosse caisse. Hop. Je vais faire dans la foulée grosse caisse, caisse claire, comme ça, en une seule séance. Et comme ça, j'aurai pas à m'arrêter. Après, on fera les deux micros entre eux pour la caisse claire et la grosse caisse. Et je vais faire aussi le charlet parce qu'il y a toutes les chances que le micro de la ride, je ne m'en serve pas, sauf s'il passerait pas suffisamment dans les micros d'overhead. On va voir. Ok, donc je fais ça, je mets mon kick, voilà, je coupe mon micro et on est parti. Voilà, donc maintenant j'ai fait les micros par rapport au vrai. Maintenant ce que je vais faire c'est que donc je vais fermer la plupart de mes pistes. Les tomes je les ferai plus tard. Maintenant ce qu'on va vérifier c'est les deux micros de grosse caisse ensemble. Et voir ce qu'il va se passer. Est-ce qu'ils sont en phase? Est-ce qu'ils sont en opposition de phase? Donc ici on a déjà. Vous voyez donc à l'arrivée j'ai pas eu ce niveau de caisse claire, j'ai pas eu besoin de faire de correction, hein, c'était bon. Maintenant. On va refaire donc caisse claire, le dessus et le dessous. Grosse caisse, donc le kick in et le kick out entre eux. C'est parti! Voilà, donc là ça a été bien fait, vous voyez, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit, donc à chaque fois que j'inversais la phase, c'était pas bon, donc ce qui veut dire que ça a été fait correctement à la prise. Voilà. Ok,
Bon, alors maintenant qu'on a nos pistes, une dernière chose que je fais très importante avant de commencer le mix, c'est que je vais utiliser une petite fonction dans Pro Tools qui s'appelle le Strip Silence. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est CTRL U ou commande U pour ceux qui sont sur Mac. Donc en fait, c'est une espèce de gate manuel, donc en fait qui va cutter les endroits que vous voulez garder. Donc vous voyez, j'active ma piste, je mets ça sur ma piste de tome. Là, c'est le tome 1. On va quand même ouvrir la piste et la mettre en solo. Voilà. Et en fait, je vais monter. Donc ici, il y a quatre éléments. Le threshold, donc le seuil de déclenchement. Le temps minimum du sample que je vais couper. Et ensuite, est-ce que je veux prendre plus avant un petit peu et après un petit peu. Ça, des fois, ça peut être très très net. Donc, vous voulez éventuellement garder un petit peu de ce qu'il y a avant et surtout de ce qu'il y a après. Salut Baba Orom, non, tu n'es pas très à la bourre. T'as raté, on va dire, la première demi-heure. Nickel heure. Ouais, les 45 minutes. Voilà, donc maintenant, je vais simplement remonter mon threshold. Voilà, et là, d'un seul coup, vous voyez, comme par magie, il va me garder certains samples. Alors, on va évidemment prendre un petit peu avant, un petit peu après. Vous voyez, c'est déjà plus net. Maintenant, je vais encore, vous voyez ici, j'ai des coups de caisse claire, là, ça ne m'intéresse pas. Ici, il faudra que je vérifie si c'est un coup de caisse claire ou un coup de tome. Alors, ça, c'est le problème du strip silence, c'est que des fois, soit vous ne retirez pas assez, soit vous en retirez trop. Donc, on va vérifier. Donc là, c'était bien un coup de caisse claire, donc il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, là, il me marque tous les coups de tome. Voilà. Et après, une fois que ça s'est fait, donc vous voyez, je prends un petit peu avant, peut-être un petit peu moins, et un petit peu après. Alors pourquoi je fais ça? Deux raisons. Un, je n'aime pas utiliser les gates. Je trouve toujours que les gates sont jamais suffisamment précis. Et puis là, au moins, ça me donne du contrôle. Là, au moins, je suis tranquille. Je sais que, comme j'ai tendance enfin, les pistes de tome ont sont tendance à repisser dans tous les sens. Après, ça dépend du micro utilisé. Mais alors, le 421, lui, il a vraiment tendance à prendre facilement tout. Ça s'entend. Donc, je préfère virer ce qui est inutile au niveau de la repisse à ce niveau-là. Voilà. Donc, plaf. Et à ce moment-là, vous voyez, il me reste que mes pistes de tome. Même chose sur ça. Vous voyez, ici, il ne me l'a pas pris. Donc on va redescendre un petit peu le threshold. Hop, voilà. Après je vérifie quand même qu'il ne me prend pas de trop ou justement pas assez. Vous voyez ça. Bon, vous voyez ça par exemple, je pense que c'est un coup de caisse claire. Ah, hop, on est plus sur la bonne piste. Ah ben non, c'était bien un coup de tome pour le coup. Et ouais, ben ça me surprend, mais c'est un coup de tome. Voilà. Et hop. Pouf, et à ce moment-là, tout est propre. Même chose sur le tome basse. Bon, là, c'est facile, hein, c'est une chanson de 4 minutes et demie avec 3 tomes, mais le projet là, des 3h20 pour ceux qui étaient là dans le mix, dans le live il y a 2 semaines, j'ai fait la même chose sur les. Il y avait 3 tomes aussi, mais des fois, j'en ai reçu un une fois avec 5 tomes et il y avait 2 heures de musique, donc il faut passer le truc en détail. Donc, en général, ce que je fais, c'est que. Je fais pas le tout d'un coup, une fois que mon mix est prêt, donc je mixe, je fais ça sur le premier titre, je mixe, et comme c'est un mix qui est dans la longueur, dans la durée, donc je le fais avant de passer d'une chanson à une autre de façon à ce que je perds pas de temps. Voilà. Ok. Voilà. Donc là maintenant mes pistes de tome sont absolument impeccables et on peut les fermer. Et on est tout bon. J'allais faire une blague, mais je vais pas la faire. Surtout que si David Mimouni est encore là, il va sûrement m'arracher la tête pour avoir fait une blague aussi nulle que celle que j'allais faire. Donc, je la fais pas. Hop, où est-ce que tu vas, toi? Alors. On va un petit peu augmenter la piste du subkick. Voilà. De façon à ce que j'ai des niveaux qui soient assez corrects. Vous voyez ce qui fait qu'un vrai batteur, on voit que c'est un vrai batteur, c'est la dynamique. Il y a de la dynamique, hein, vous voyez que les pistes, ça augmente, ça descend, etc. Mais de l'autre côté, on est quand même très, très, très régulier. Donc là, c'est un double avantage, c'est que, un, on n'aura pas besoin de faire d'automation, pas forcément besoin de faire d'automation sur de grosses caisses claires. Et en plus, quand je vais commencer à processer, donc vous savez que le compresseur, surtout le compresseur,
va travailler de façon assez identique d'un coup à un autre. Et ça, c'est quand même un gros soulagement. Donc, quand vous prenez des musiciens, prenez des pros. Ça coûte peut-être un peu plus cher, mais à l'arrivée, ça vous fait gagner du temps. Allez, bon, ben on va attaquer maintenant purement le mix, hein, puis c'est parti, quoi. Donc, je laisse quand même mon master très, très, très ouvert, de façon à ce que vous puissiez quand même entendre, voilà, vous avez plus 10 dB, hein. Donc là, normalement, vous devriez avoir, j'espère que les histoires de volume maintenant sont correctes. Voilà, donc là, j'ai ici maintenant l'intégralité de mes pistes de batterie. La ride, je la ferme aussi. Override, je ferme. Voilà. Ok, bon, mais c'est parti. J'ai fait un truc bizarre sur mon contrôleur. Non, non, il n'y a pas de souci. C'est moi qui psychote. J'ai toujours tendance à avoir des trucs qui ne fonctionnent pas. Je suis toujours en stress avec le matériel qui fonctionnerait éventuellement pas. Voilà, donc je vais couper maintenant le micro et je vais faire le son dans la foulée. C'est parti.
Salut! Oh, nous avons Adrien de Projet Home Studio qui est ici. Mais ça, c'est grand honneur. Tapis rouge. Bon, c'est tapis rouge pour tout le monde, hein, en fait. Hein, mais bon, il y a des VIP. Hein, ça c'est ma petite private joke avec, avec Adrien. Je vous conseille d'aller sur sa chaîne. En plus, en ce moment, il y a une audience à gagner gratos. Donc, une très belle petite carte son. Donc, allez voir sa chaîne. Abonnez-vous, inscrivez-vous. Regardez ses vidéos, allez sur son blog aussi et vous avez prochainement, début janvier, un tirage au sort pour gagner une carte son de chez Audient. Pour info, je me suis pas encore inscrit, mais moi aussi je la veux la carte son de chez Audient. Bref, pour revenir maintenant au sujet donc du mix. Donc vous avez vu, donc là je l'ai fait vraiment dans le flow. Vous pouvez regarder en replay ce que j'ai fait. Donc quand j'ai ouvert d'abord la première piste de kick, vous avez vu que j'ai mis vachement ah, je vois qu'il y a des très bonnes blagues. Les overread, c'est la mauvaise période. Bon, ça, je suppose que je pense savoir à qui j'ai affaire. Donc, là, vraiment, j'ai séparé au niveau de la séparation fréquentielle des pistes de grosse caisse. Donc, comme j'ai un kick et un sub-kick, donc j'ai vraiment gardé le kick à faire du kick et le sub-kick à faire du sub-kick. Donc, le kick va gérer tout ce qui est au-dessus de 200 Hz et le sub-kick, il va gérer tout ce qui est au-dessous. Donc, j'ai d'abord fait donc mon son de kick, mon son de sub-kick. Ensuite, j'ai ouvert ma piste de caisse claire top, donc là, tout ce qu'il y a de plus classique, une égalisation suivie d'une compression. Je travaille toujours dans cet ordre-là. J'ai rajouté sur les caisses claires, tout l'ensemble des caisses claires, j'ai retiré cette espèce, le ping de la caisse claire, donc je l'ai retiré. Vous voyez, c'est donc la fréquence que je cherchais. Donc en fait, je l'ai ouvert dans l'autre sens, hein, j'ai fait un sweep, et puis je me suis baladé jusqu'au moment où j'ai trouvé à peu près la fréquence, et hop, on retire. Donc évidemment, je ne retire pas tout. Et donc j'ai fait ça, et ensuite j'ai créé une piste qui s'appelle Snare SP, donc SP pour, c'est pas sapeur-pompier, c'est Simon Phillips. Pour ceux qui ne connaissent pas Simon Phillips, c'est le batteur de Protocol, entre autres, c'est aussi le batteur de, ça a été pendant longtemps le batteur de Toto, enfin c'est un batteur absolument incroyable, et non seulement c'est un très très bon batteur, il a une super batterie, et c'est un très bon ingénieur du son. Et il a un son vraiment terrible, surtout au niveau de l'enregistrement de sa batterie. Il a une batterie énorme, deux grosses caisses. Je crois qu'il a 7 tomes, et puis il a des cymbales, enfin bref. Et particularité de Simon Phillips, en plus, il joue, pour les batteurs qui sont parmi nous, s'il y en a, donc un batteur classique va jouer en ce qu'on appelle en croisée, et lui, il va jouer en ouvert. Ça veut dire qu'il va avoir, au lieu de jouer le charlet à la main droite et la caisse claire à la main gauche, il va jouer le charlet à la main gauche et la caisse claire à la main droite, donc il va jouer comme ça. C'est très particulier. Sa ride, pareil, au lieu d'être à droite comme sur un batteur droitier, elle sera au-dessus de son charlet. Voilà, pour Simon Phillips. Et donc, j'ai découvert un peu par hasard en tombant sur une vidéo que ce qu'il fait pour avoir un son de caisse claire très ouvert, très très propre, avec tous les détails à l'intérieur. Donc, on crée une piste donc, de caisse claire. Donc, c'est celle que j'ai appelée Snare SP. Et j'ai installé dessus donc un transient designer. Donc, j'ai retiré toute l'attaque pour faire sortir tout ce qui vient entre les transitoires. Et d'une certaine façon, ça fait tout remonter ce qui vient entre les coups et c'est inséré dans le mix légèrement. Et c'est ce qui donne cette espèce de caisse claire très ouverte comme ça. C'est très agréable. J'ai découvert cette technique. Vous voyez comme quoi, c'est récent. Il y a ça, 6 ou 8 mois, j'ai découvert ça. Comme quoi, même encore aujourd'hui, presque après 20 ans de son, je découvre des choses, des idées qui sont intéressantes. Donc, il n'y a pas de mal à aller écouter ce genre de choses. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais maintenant rajouter les overheads, les rooms, et on va voir ce qui va un peu se passer dessus. Donc, et je vais commencer à mettre tout ça dans le mix. Donc, je recoupe mon micro et on continue.
Ok, alors Overhead et Kessler, pardon, Overhead et Room, autant pour moi. Donc vous avez vu, alors ça, à la différence des mix qui sont où je mixe du live, là quand c'est des prises studio, je me permets de faire des choses complètement différentes. Entre autres, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est pour avoir cette espèce de son de grosse caisse assez profond dans mon mix batterie. C'est je fais ressortir la grosse caisse dans les microphones de overhead et dans les microphones de room. C'est ce que vous m'avez vu faire deux fois. Vous voyez, je descends à 40 Hz et puis j'y vais, vous voyez, 10 dB. Pour certaines choses, il n'y a pas à hésiter, hein, d'y aller comme un porc. Hein, n'hésitez pas. On n'est pas sur de la musique classique ou sur du jazz, là. On est sur quelque chose qui est quand même plutôt, on va dire, axé pop rock. Donc, n'hésitez pas à rentrer comme des bourrins. Vous avez vu d'ailleurs sur le microphone de room, là j'ai mis un. Donc, d'abord j'ai fait un traitement, tout ce qui est plus classique. J'ai rien rajouté, vous avez vu dans les aigus, parce que de fait la prise était suffisamment bonne. Connaissant les micros, donc des 414 sur les overheads et des TLM 102 sur les rooms, sont des micros qui ont pas mal d'aigus, qui sont plutôt brillants. Donc, ça sert à rien de rajouter de la brillance. Si ça y est déjà, ça c'est quelque chose. Je vais faire une vidéo sur ça. Savoir. Des fois, c'est bien de savoir traiter des pistes, quelles qu'elles soient, mais c'est des fois aussi, c'est bien de savoir dire, il n'y a pas besoin de traiter. Là, c'est bon, c'est comme c'est, ça va très bien. Donc, n'hésitez pas, des fois, si ça sonne, s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de concours, de faire une espèce de concours à celui qui va en mettre le plus. Si ça sonne, arrêtez-vous et ça va très bien. Rajoutez ce que vous cherchez, retirez ce qui est inutile. Et si le fait d'avoir retiré ce qui est inutile, ce qui est en général le cas autour de 350 Hz sur la batterie, ça déjà règle 90% des problèmes, ça sert à rien après d'en remettre des paquets derrière, parce que vous allez juste créer de la bouillie quoi à l'arrivée. Voilà. Et donc j'ai rajouté donc le Distressor, donc si c'est la version de chez UAD, en mode nuke, ça veut dire voilà, ultra trash, c'est un peu l'équivalent comme sur le 1176 ici, d'être presque du all-in. De fait, c'est ce que, pour parler du 1176, ce plugin que j'ai utilisé de chez Pulsar, hein, si vous avez ici des gens de chez Pulsar, sachez que vous faites de très bons plugs. D'ailleurs, ce serait bien que je retrouve savoir comment on fait pour le zoomer un petit peu. Je sais que ça existe. Bon, je rechercherai ça après. Bref. Donc, tout simplement en faisant comme ça. Voilà. Hop. Donc, ce plug-là de chez Pulsar, c'est en fait un 1176 révision A. Techniquement, le révision AB, parce que le révision A, il n'y a que très très peu d'exemplaires qui ont été faits. Le Blue Stripe, hein, ce qu'on voit en général, c'est la même chose que ce qu'on voit ici. En général, la plupart sont des versions, ce qu'on appelle des révisions AB, mais tout le monde appelle ça le révision A, mais c'est un abus de langage. Donc en fait, le plug qui est ici à l'écran, le smasher de chez Pulsar, c'est en fait, hein, c'est marqué dessous, hein, il suffit de lire hein, All Button In, Fed Compressor. Donc en fait, c'est. Vous avez sur le 1176 4 ratios différents, donc 4 pour 1, 8 pour 1, 12 pour 1, 20 pour 1, donc vous les avez ici, n'importe quel 1176 vous le verrez. Et vous avez ce qu'on appelle le mode all-in, accessoirement ça s'appelle aussi le British mode, qui consiste à enfoncer les 4 boutons de ratio, et à ce moment-là vous avez comment ça s'appelle Ben vous avez un truc très. Un brick wall qui est très. Ça squash, quoi. Ça porte bien son nom. Hein, c'est un smasher. Donc voilà. Donc le Distressor, c'est un peu le même délire sur ça. Donc c'est un peu l'équivalent du all-in. Faut savoir quand même que le Distressor, hein, il a un surnom qui est le couteau suisse des compresseurs. Donc là, vous avez vraiment un truc qui est pratique. Donc vous l'avez ici en version UAD. Empirical Lab a aussi une version qui s'appelle le Arusor. Je crois qu'il y a une autre marque aussi qui en propose un truc. Mais enfin bon, l'essentiel c'est que ça fasse travail. Donc voilà. Et ensuite, sur les rooms, j'ai inséré ici donc, le HP. En fait, c'est un high pass filter. Donc c'est un sidechain en fait. Il y a marqué détector. Mais en fait, c'est un filtre sidechain. Donc il va retirer. La grosse caisse ne va pas taper dans le. Ne va pas influencer le compresseur. Et ensuite, ici, vous avez une espèce de. Donc, vous avez un high pass filter et deux types de distorsion. Donc, vous voyez, j'y suis allé comme un dingue. Ah, ben Jonathan est ici. Bon, ben alors, c'est bon, on peut commencer maintenant. Bon, ben alors, je reviens au début. Hein, j'efface tout, on reprend. Voilà, donc, pour le son de batterie. Maintenant, pour ce qui est des floors. Alors, pour ce qui est des floors, je suis une vraie feignasse.
Mais de fait, ça marche tellement bien que je vois pas pourquoi je m'en priverais. M'excuserez, j'ai super mal à la gorge. À chaque fois sur les pistes de Tom, j'utilise ce plug-là. C'est, j'ai toute la collection, mais c'est le seul que j'utilise. C'est donc le plugin signature Chris Lord Alge et pas Chris Lord Alge. Hein. Donc c'est le plug signature. Donc en fait c'est un plug avec. Il existe en 5 versions différentes, donc drum, basse, vocal, acoustique et guitare. Voilà. Peut-être même 6 versions différentes, je crois qu'il y a encore un truc. Bref, on s'en fout. Et bon, je m'en sers jamais de ce plug, très très rarement. Et le seul moment où je m'en sers systématiquement, c'est sur les tomes, parce que ça fait juste. Bah, ça sonne juste super bien. En général, je le mets en quake, je retire la reverb, parce que la reverb, je vais avoir. Et ça, je le mets à zéro, et je le mets un peu ici, comme ça. Voilà. Donc, oui, pas de souci. Je vais le mettre aussi ici sur le floor. Il va me demander, oui, ça va changer. Voilà. Et je vais maintenant. Donc, faire du panning sur les pistes de tome. Donc, toujours tome 1, tome 2 au centre et le floor complètement sur la droite. Après, je rajouterai les pistes de Charlie et on va commencer d'ailleurs par les pistes de Charlie. La piste de ride, pour l'instant, je vais la garder fermée. Je préfère ne pas l'utiliser. Alors, la piste de Charlie, ben, je vais la mettre dans le truc. Je fais rien de très intéressant. Merci, ouais, Jonathan. Voilà, le CLA Effect. Donc, la piste de Charlie. Contrairement à ce que beaucoup éventuellement feraient dans une piste de Charlie, à prendre cuter tout le bas pour regarder que le Charlie, perso, moi je trouve que la repiste qu'il y a dedans, elle est très bien. Et des fois, elle peut même vous sauver la vie, parce que ça arrive par exemple quand vous avez sur des pistes d'overhead, vous avez votre kick bien au centre, mais la caisse claire un peu à droite. Et donc en utilisant la repiste du Charlie, en mettant quasiment complètement en gauche, ça va légèrement vous recentrer votre caisse claire. Donc la repiste. C'est pas systématiquement quelque chose de mauvais, des fois c'est quelque chose qui peut tourner complètement à votre avantage. Voilà, donc je vais ouvrir la piste de Charlie, puis après on va ouvrir les pistes de Tom et je continue. Voilà, bon là on a plus ou moins toutes nos pistes de batterie qui sont ouvertes. Vous me verrez de temps en temps, je redescends le volume master simplement pour que ça évite de saturer, hein, ça arrive de temps en temps.
Maintenant, on va commencer à faire. Alors, dans un premier temps, je vais rajouter un peu de réverb. Et puis, on va commencer à attaquer les parties un peu intéressantes où on va commencer un peu à taper le hardware. Donc, je vais d'abord mettre la réverb et ensuite je reviendrai sur la partie hardware, donc sur le traitement du bus batterie. Ok, donc là j'ai rajouté un peu de reverb. Donc ma reverb toujours de batterie, c'est plus ou moins toujours la même. C'est donc la Seventh Heaven. Donc la version, entre guillemets, on va l'appeler light. En fait, elle est juste light. C'est le même plug entre la version light et la version complète. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est toujours en promotion sur leur site. La version complète maintenant, normalement, qui est très chère, qui était à 179 $ pendant le Black Friday. Mais en fait, c'est grosso modo la même chose. La seule différence, c'est qu'il y a moins de presets sur celle-ci et il y a un petit peu moins de réglages. Voilà. Mais sinon, les algorithmes sont strictement identiques. Donc, bon, vous allez me dire, ouais, il y a beaucoup de reverb. Alors, j'en ai parlé dans le live précédent aussi. Il va y avoir au fur et à mesure du mix ce qu'on appelle l'effet de masque. Donc, dans les médias, on entend vachement bien la reverb. Mais. Dans la suite, quand les instruments vont commencer, vous allez voir que je vais devoir en rajouter parce qu'elle va avoir tendance à disparaître. Alors maintenant, on va arriver sur la partie intéressante et l'arrivée donc du. Ben donc, on va mettre tout ça à zéro. Hop, histoire que. Voilà. On va fermer tout ça. Hop, hop, hop. Bon. Maintenant, le traitement de mon bus master. Alors, par habitude. J'ai l'habitude d'avoir un traitement analogue sur mon bus master, donc de mon drum, mon bus master de batterie, et qui est celui-ci. Donc, ce qui se passe, c'est que j'utilise le Réa de chez Wes Audio. Pour ceux qui ne connaissent pas Wes Audio, donc c'est une marque polonaise qui fait principalement des formats 500. Ils ont quelques formats pas 500. Donc des formats rack 19 pouces, mais ils sont très axés sur le format 500 et ce qui en fait une marque très particulière, c'est que ce sont des appareils qui sont déjà super haut de gamme, qui valent pas une fortune, mais surtout ils sont purement analogiques, mais ils sont pilotés via un plug. Donc vous avez ici l'appareil donc dans ma lunchbox, j'en ai deux de chez West, donc j'ai Réa qui est ici, à côté j'ai le Mimas qui est donc un 11, qui serait l'équivalent d'un 1176. Je prévois de remplacer ce Better Maker, ceux qui seraient intéressés, vous avez qu'à l'acheter, je le vends pas cher, mais de fait remplacer ça par probablement un Hyperion qui est donc l'équivalent de ça, mais chez Wes. Donc ils se pilotent l'un l'autre, ce qui veut dire que si je fais des mouvements ici, vous verrez qu'à l'écran, vous voyez, ça va changer. Bon, après, je ne peux pas malheureusement faire le truc parce que j'ai pas de caméra qui est particulier sur l'appareil en lui-même, mais j'ai fait une vidéo en français sur le Réa qui est très très détaillée. Elle est un petit peu longue, mais elle est quand même très complète. Donc, cette fois-ci, je vais le faire ici. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tout mon bus batterie sort via mon convertisseur, est envoyé dans le Réa et revient ensuite. Et maintenant, on va commencer maintenant à
régler notre petit ami le Réa. Donc ce que je fais en général avec le Réa, c'est comme c'est un appareil qui a lampe, il a deux lampes à l'intérieur, d'ailleurs il chauffe très très fort, hein. C'est d'ailleurs même spécifié, je crois qu'ils le disent sur le manuel d'instruction, que le Réa, il faut toujours le mettre à une extrémité, de façon à ce qu'il ne chauffe pas l'appareil qui est à côté. Donc là, je l'ai mis complètement sur la droite. Les lampes, en fait, techniquement, sont juste plus sur la droite que sur la gauche. Donc voilà, il chauffe très très fort. Et donc, il a toutes les caractéristiques. Donc, c'est un compresseur Varimu, je ne vais pas rentrer là-dedans, j'ai fait une vidéo sur cet appareil. Et l'avantage qu'il a, ce truc-là, mis à part qu'il a tous les réglages classiques, donc une entrée, une sortie, un threshold, un temps d'attaque, un temps de relâchement, le ratio est fixe, hein, comme tous les Varimu. Par contre, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a un bouton de dry-wet, ça veut dire qu'il a un bouton de mix. Et l'intérêt de ce truc-là, c'est que ça vous permet, en fait, en interne, de faire de la compression parallèle. Donc, au lieu d'avoir une piste dans mon Drum Master et de créer un bus très compressé et de mélanger les deux, ben, en fait, je le fais directement en interne sur le Réa. Et à ce moment-là, ça me permet de ne pas avoir une piste supplémentaire. Voilà. Donc, je vais le mettre en route. Dans un premier temps, je vais d'abord driver un peu les lampes. Et dans un deuxième temps, je vais activer le compresseur. Deux autres petites fonctions très pratiques sur cet appareil. Vous avez ici la fonction THD, donc Total Harmonic Distortion. Donc, vous avez un petit peu, on vous engendre une légère distorsion harmonique. Vous avez pas de distorsion harmonique, un medium distorsion harmonique et high distorsion harmonique, voilà. Et vous avez ici aussi une autre chose très pratique, un filtre sidechain. Donc, vous allez par exemple pouvoir sortir la grosse caisse du compresseur et passer donc, plutôt que le compresseur va être trigué par la grosse caisse, ben non, la grosse caisse va passer à travers et ne va pas déclencher le compresseur. Donc ça, c'est aussi très pratique, surtout sur un bus batterie. Voilà, donc je vais le mettre en route et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc ce que j'ai fait dans un premier temps, d'abord j'ai trigué un peu, j'ai poussé un peu les lampes, ce que j'ai l'habitude de faire. Ensuite, j'ai réglé simplement mon temps d'attaque qui est toujours en général à 3 millisecondes. Je veux que ça attaque mais pas trop fort. Par contre, le relâchement le plus rapide possible. Et ensuite, j'ai descendu mon threshold. Vous avez vu à un moment, je l'ai descendu vraiment complètement en bas pour que ça écrase complètement le signal. Et je trouvais même que pour le coup, ça sonnait toujours bien, quoi. Bon, même si c'était très très compressé, mais ça gardait de l'intérêt. Et ensuite, j'ai fini donc par régler en fait mon bouton de dry wet. Donc, je l'ai mis à 43%. Donc, en gros, vous avez si vous avez vos faders qui est là, donc il y a le
vous avez 43% donc du son qui est compressé et 60 et 57 pardon pourcent du son qui lui est complètement passe à travers la machine sans être compressé du tout. Donc ça c'est vraiment un truc génial. Ensuite j'ai entré le THD. Alors sur high, moi je l'aime bien sur high, mais le problème c'est que je sais qu'à l'arrivée ça va être trop bright. Donc je préfère en général le garder sur medium. Le sidechain à 90, et vous avez vu, je sais pas si vous avez senti la différence, une fois que le réglage était fait, je l'ai bypassé, et tout de suite on sentait quand même la machine qui travaille. Donc ça c'est vraiment une machine génialissime pour ceux qui ont des lunchbox et qui cherchent un très très bon premier compresseur. Allez, en France c'est chez Floating Point Audio. Qui le vendent, vous contactez Ramin, vous contactez Romain, vous contactez n'importe qui chez l'équipe de chez Floating et vous pourrez vous récupérer les machines de chez West. Ils ont aussi une lunchbox, ils ont deux lunchbox, enfin bref, rentrez sur leur site et allez fouiner un peu sur ce qu'il y a sur leur machine, c'est vraiment super. Voilà. Et dernier process que je vais faire maintenant sur la batterie, c'est que j'aime bien. Après, je le gère un peu, je mets simplement, j'ai un bus par contre qui est séparé et c'est une distorsion. Donc je vais vous le faire écouter en solo. C'est déjà pré-réglé pour le coup. Ensuite, je vais le mélanger dans le mix et on va voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Bon, ben ça c'est le son de batterie. Là, on est de nouveau arrivé à un son de batterie qui est propre. Maintenant, je vais un petit peu accélérer le rythme et on va commencer à rentrer un peu la basse et les autres instruments. Cette fois-ci, je vais moins détailler. En général, les gens aiment bien que je détaille bien le grosse caisse claire. Enfin, la batterie de façon générale, parce que c'est quand même l'élément qui comporte beaucoup de pistes. Mais après. Ben, y a tout le reste. Donc maintenant, on va commencer à rentrer les autres instruments. Si vous avez des questions, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. N'hésitez absolument pas à me poser tout et n'importe quoi. Voilà. Bon, ben maintenant, je vais vraiment continuer dans le flow. Donc, je vais moins parler et voilà, moins de blabla et plus d'action. C'est parti, j'avance. Thank you.
ce qui me rappelle à toi. Je pleure sur la lune de Solo. Je relis tes messages sans trop savoir. Alors, je m'arrête pour répondre un peu aux questions. Jonathan qui me demande si je rentre pas la voix. Non. Non. C'est en général la dernière chose que je traite. Bon, je l'ai rentré parce que tu me l'as demandé. Mais non, je la rentre pas parce que c'est... De fait, il faudrait que je la mixe pour faire une vérification de la voix en contexte. Il faudrait qu'elle soit mixée. Et je préfère avoir le playback complet pour, en fait, traiter la voix. Donc, je le fais pas. Jérémy qui me pose la question. Bonjour, j'ai cru comprendre que la fonction de dry wet n'est pas l'équivalent de la compression parallèle. Ben si, justement. Parce que, en fait, qu'est-ce que c'est que la compression parallèle? On va par exemple prendre le cas de la batterie. Donc on va avoir le bus batterie. Donc on va créer un bus batterie qui va être propre, où il n'y aura pas du tout de compression. Et on va créer un deuxième bus batterie qui, lui, sur lequel on va mettre un compresseur qui va taper très fort.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, par exemple, on va ouvrir notre fader propre, à, je sais pas, entre, autour de moins 6, moins 10 dB, quelque chose comme ça. Et après, on va rentrer la compression, qui est 100, elle, qui est 100% compressée. On va la rentrer donc pour la mélanger avec le signal qui est ce qu'on a, donc qui n'est, lui n'est pas compressé. Donc on a un 100% dry d'un côté, ce qu'on appelle, et un 100% wet de l'autre côté. Donc on a un signal 100% pas traité et un signal 100% compressé, donc la compression, qu'on mélange donc, on a, et c'est comme ça qu'on travaille. Dans le principe, en fait, le bouton de dry wet fait exactement ça. En fait, le bouton de dry wet, il va mélanger le complètement dry et le complètement wet. Ça veut dire qu'il va prendre, il va déterminer le pourcentage de ce qui va passer du volume du wet et du volume du dry. Et à ce moment-là, donc ça va, en fait, si, ça, c'est la même technique. Le bouton de dry wet, c'est simplement un bouton qui va mélanger le signal 100% pas influencé par le traitement et le signal 100% influencé par le traitement, et vous allez simplement les mélanger. Et donc à l'arrivée, donc dans mon cas, c'était, on va dire 60-40 à peu près, donc c'est 60% de signal pas traité, avec 40% de signal 100% compressé, donc c'est de la compression parallèle, voilà. Donc voilà, Jérémy, j'espère que ça répond à ta question. Donc le bouton de dry wet, c'est un traitement parallèle, absolument. Salut Hervé. Eh ben écoute, j'espère qu'il est joli ton sapin de Noël. C'est déjà le montage, c'est pas un peu tôt là? On est quoi? On est encore début décembre, non? Ouais, bon, pourquoi pas. Allez, je reprends avec mes guitares et je continue le mix. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions.
Alors, une pause s'impose pour les questions. Alors oui, Jérémy, je vois qu'il y a Hervé et Enzo qui t'ont aussi répondu. Alors, si tu as un plugin avec une fonction de dry-wet, à ce moment-là, oui, tu n'as pas besoin de créer une piste de parallèle pour faire de la compression parallèle. Néanmoins, et comme ça a été très bien répondu par Enzo, si tu veux, sur la piste de parallèle, c'est la piste qui va être, que ce soit une compression parallèle, tu veux rajouter un effet, une EQ, n'importe quoi d'autre, alors là, tu es obligé d'avoir donc deux faders. Donc, un fader pour le dry et un fader pour le wet avec tous les effets que tu veux. Dans mon cas de figure, on va dire que le compresseur que j'utilise me permet d'avoir cette espèce de le THD plus le sidechain, donc ça me suffit. Et j'ai évidemment une piste supplémentaire de parallèle que j'ai montré avec donc une petite distorsion dessus qui est à peine ouverte. Lamento Music, bon évidemment c'est Jonathan, mon poteau Jonathan, qui me demande si j'utilise le hit. Oui absolument, il est ouvert, vous le voyez ici. Alors j'ai eu tendance à en mettre des paquets du hit, et puis finalement je me suis récemment un peu calmé parce que je me suis rendu compte que sur certaines pistes, si les pistes étaient un petit peu mal enregistrées, ce qui est arrivé le cas sur le mix du live où il y avait, c'était des micros dynamiques où les gens ils chantent dedans à fond, donc il y a une très légère distorsion, et dès que le hit rentrait dedans, ben à ce moment-là, il y avait ça amplifiait un petit peu la distorsion. Donc je m'en sers maintenant, mais pas à outrance quoi. D'ailleurs, je peux vous faire écouter avec ou sans, avec la balance actuelle, je vais vous le montrer. Ah, ça apporte son petit plus quand même. Hein, alors jusqu'à maintenant, quand j'avais pas, parce que maintenant le hit qui vient de base sur Pro Tools, ça me fait marrer parce que c'est un plug qui existe depuis diplôme, mais ils auraient pu nous le filer gratos. Et non, non. Bon, on va pas rentrer sur ce que je pense des gens enfin, de la façon dont fonctionne la marque Avid aujourd'hui. Bref. Donc avant que j'aie le hit, j'utilisais simplement le NLS hein, de chez Waves, que je trouve qui est un très bon plug, qui fait très très bien le travail. Depuis que je l'ai maintenant. Je trouve que le hit fait. L'avantage que je trouve quand même au NLS, c'est les choix de couleurs. Ça, dans le sens où vous pouvez avoir trois consoles différentes et vraiment gérer le drive séparément. Bon, ça, il est un peu plus souple de travail, mais d'un côté, j'aime bien avoir une couleur unique sur l'ensemble du mix et pas commencer à mélanger trois consoles différentes. Donc voilà. Oui, ça se comporte un petit peu comme un inflator, mais léger, quoi. C'est de la très légère distorsion harmonique, comme si vous travailliez sur une table de mixage et vous poussez l'entrée à la limite même de la distorsion, même des fois sur des coups de gros sur les batteries, on laisse même le signal très légèrement clipper parce que ça donne un petit côté supplémentaire. Il faudrait un de ces quatre que j'aille dans mon ancien studio et faire un live en mixant sur la SSL qu'ils ont là-bas. Ils ont une SSL AWS 900, premier modèle. Mais ça serait intéressant. Le problème, c'est que bon, je vais pas rentrer sur les histoires de pourquoi j'irai et surtout pourquoi j'irai pas. Voilà, ben, je continue. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Pour l'instant, ça parle surtout des histoires de compression parallèle. Donc, j'ai fait une vidéo hein, sur ça. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur la chaîne. Voilà, je continue.
Comme un Roland Canin. Oui, je suis d'accord qu'il y a le canon de Pachelbel, c'est avec le basse continuo classique. C'est un classique truc. Bah écoute, merci Jérémy, je te laisse partir, tu pourras continuer à voir ça en replay. Est-ce que je mets le SSL, Baba Aurum qui me demande, sur toutes les pistes, c'est mon EQ de base. Je l'utilise à 99% des cas, c'est mon EQ. Occasionnellement, j'utilise les Pooltech. Dans ce cas de figure, je l'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé donc le Better Maker, qui est un Pooltech, sans les lampes évidemment. Ici. Alors ça, c'est le plug qui est ici, c'est sur une des pistes master, mais c'est juste le contrôle en fait, il est sur le piano. Donc je m'en suis servi ici, donc là c'est un EQ Pooltech. Occasionnellement, je peux me servir d'un EQ Pooltech sur en plug. Je crois que ouais, c'est à peu près dans 99% des cas, il est super ce plug. Moi j'ai bossé pendant des années avec le SSL de chez Waves, alors pas la dernière version que j'ai pas testée. J'ai eu l'occasion de mettre la main sur cette tranche, donc SSL de chez SSL. Et ça, ça a été une révélation. Je rêve, mais le problème c'est que je sais pas où est-ce que je vais le foutre sur le bureau. D'acheter le contrôleur, puisque ce plug-là possède un contrôleur qui s'appelle donc le UC1, qui est vraiment, en fait, c'est ça, mais sur un contrôleur, quoi. C'est vraiment super pratique, ça permet vraiment de le faire, de plus en fait de regarder, de plus le faire à l'écran, quoi, de le faire à la main. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pratique. Oui, ça fait partie des choses que j'aimerais bien rajouter ici. Même si ma table commence à être vraiment, vraiment encombrée maintenant. Mais j'aimerais bien avoir, oui, le UC1 de façon à gérer ce plug systématiquement, de le faire à l'oreille et pas de le faire en regardant un écran et en bougeant des boutons à la souris. Donc voilà. Même si, en fait, cette souris me permet en fait, de simplement placer le bouton sur le réglage que je veux et simplement je fais tourner, ce qui est l'équivalent de la molette. Ça consiste simplement à faire tourner cette espèce de boule qui est placée. Faudrait que je fasse une vidéo sur ces souris, parce que pas mal de gens me le demandent, ce que c'est. En fait, je le fais pas vraiment à l'œil, je le fais à l'oreille, puisque ça permet, en fait, en tournant la boule, ça me permet de faire tourner le bouton. Voilà. On va continuer avec cette petite flûte. Alors, vous avez remarqué que je m'énerve contre le clavier, mais je crois que ce clavier que j'aime beaucoup de chez Editor Keys, je crois qu'il commence à faire son temps. Le bouton Alt, il a tendance à rester bloqué. Alors, en général, ce que je fais, ça fait partie des accessoires très utilisés, très importants en studio, c'est du spray air. Donc, vous voyez, il suffit de temps de faire ça. Ça leur met un petit coup de propre en plus. Le problème, c'est que le démonter ce clavier, c'est une tannée. Puis ça fait déjà bien longtemps que je l'ai. Il commence un petit peu à. Il a fait son temps, je crois, j'ai l'impression. Et je pense qu'il va falloir. Vous voyez, le bouton Alt, vous voyez, ici, il marche plus. Alors que ici, il marche très très bien. Je crois que la touche, elle commence à être vraiment fatiguée, quoi. Je crois qu'il va falloir que je commence à envisager de remplacer ce clavier. C'est bête parce que je l'aime bien. Et en plus, il est éclairé. Ce qui est plutôt joli, mais bon. Mais je crois que là, il a fait son temps, quoi. Bon, enfin bref, on va pas s'apitoyer sur ça. Je reprends maintenant le cours du mix.
Ok, alors à l'inverse du dernier live, cette fois-ci je vais quand même faire avant d'arrêter, parce que ça fait quand même déjà 2 heures qu'on est dessus. Je voudrais arrêter d'ici à un quart d'heure, 20 minutes. Donc là maintenant je vais mettre la voix lead et je vais commencer. Alors, il faudrait que je la passe, que je la repasse au Melodyne. Elle n'a pas été bien faite. Je le ferai après le live, je le ferai tout seul comme un grand. Pour que vous voyez un peu surtout l'utilisation en fait je fais du 1176. Mais de fait, je l'ai fait parce que vous avez vu que vous m'avez vu mettre la piste de guitare solo en mettant donc le Mpressor, donc qui est un compresseur mono de chez Elysia, donc du périphérique. Et vous m'avez vu en fait, je l'ai pas touché, vous m'avez pas vu changer les réglages parce qu'en fait, j'utilise en fait la technique de Christian Dalji en fait qui consiste en fait comme les réglages des périphériques comme le Elysia ou le Tegeler Audio. Donc encore une fois, ces machines sont crantées, donc c'est possible de faire du recall. C'est pas quelque chose d'impossible. Il suffit de faire une photo et c'est tout bon. Et ça sera précis puisque les machines, les deux sont crantées. Mais comme parce que je suis une feignasse d'une certaine façon, mais parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à comme je passe beaucoup d'un mix à un autre à chaque fois à refaire les recalls. Donc ce que je fais, c'est quand je compresse, j'utilise le. Donc je fais l'égalisation et ensuite je l'envoie dans le compresseur. Et le compresseur, en fait, il est réglé de façon systématiquement pareille. C'est un réglage, on va dire, à peu près passe-partout, on va appeler ça comme ça. Et en fait, si je me suis rendu compte que je compressais vachement trop. Donc simplement, j'ai baissé ici mon trim, simplement pour envoyer moins en sortie dans le compresseur, et une fois que j'ai trouvé mon bon réglage de compression, donc en général autour de 3 à 5 dB de réduction de gain, je reviens donc dans le truc, et si je rentre pas assez fort, ben simplement j'ai rajouté, vous l'avez vu, un NLS pour compenser. Et c'est la même chose que je fais avec le 1176 qui est ici, donc j'ai un réglage. Donc mon 1176 qui est ici un clone de chez Out of the Box Audio, j'ai fait une vidéo sur cette marque, ils font des clones vachement bien, j'ai été bluffé par ce truc-là. Même alors que le Mimas est quand même une marque qui est quand même beaucoup plus grosse que ça. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, je vais mettre ça sur le Mimas sur la voix et lui, il va passer sur autre chose. Eh ben non, je suis toujours revenu à celui-là. Donc ça, c'est vraiment un appareil génialissime. Grosso modo, donc c'est un gars qui est ici, qui fait des clones 1176, il fait aussi des clones LA2A, et qui fait des versions mono et stéréo. Tous les 1176, que ce soit le Rev, on va dire AB, et le RevD, donc le blackface qu'il fait, existe en version mono ou stéréo. Toujours quel que soit le modèle, c'est toujours dans un format rack 2U. Donc voilà. Donc il a un réglage toujours identique, mon 176, qui est fait pour la voix. Et après, je m'amuse simplement à faire la même chose. Donc maintenant, je vais commencer à attaquer le mixage de la voix. Et pour voyez. Et Hervé, oui, je sais, j'ai vu la vidéo. Je l'ai vu la vidéo de Baba Aurum, je l'ai même commenté. Que c'était intéressant comme produit, je me suis un peu rencardé de façon un peu plus approfondie sur la machine. Et alors, elle a un avantage, c'est que cette machine, elle peut contrôler tous les plugs SSL, de façon générale, elle peut contrôler n'importe quel plug, à l'inverse de la UC1 qui ce contrôleur ne contrôle que a priori, hein, j'ai à vérifier le plug de chez SSL. Par contre, il y a 2 points noirs sur cette machine, c'est que il faut insérer le plug de la machine, plus après derrière le plug le plug SSL, au lieu de. Donc en fait, tu as 2 plugs à insérer et tu as un mapping à faire. Alors. Et j'ai vu aussi sur d'autres reviews qu'il y a aussi. C'est pas le truc le plus stable du monde. Par contre, j'ai pas regardé les prix, mais à mon avis, il doit être nettement moins cher que le modèle de chez SSL. Donc oui, peut-être, éventuellement. Peut-être que je contacterai éventuellement la marque pour éventuellement peut-être qu'ils m'envoient une machine. Ça serait éventuellement intéressant. Enzo qui me dit... Ouais, ben c'est exactement ça, ouais. C'est exactement. Je savais pas, j'avais pas capté que Michael Brauer faisait ça. Pourtant, je l'ai rencontré. Bon, on n'a pas discuté trop longtemps. Hein, c'était au NAMM, il y a quelques années. Mais oui, mais il n'y a pas que. Aujourd'hui, tous les gens qui ont des studios avec. Bon, maintenant, Michael Brauer, il a viré tous ses périphériques et il est quasiment 100% in the box. Mais les gens comme Christian Dalji, comme Michael Brauer, comme Tony Maserati, tous ces gens-là qui ont des studios avec des racks d'effets, de façon générale, ils ne touchent pas
au réglage. Les machines sont réglées d'une certaine façon et ils choisissent. Si vous allez chez Christian Dalgy, qui lui a des racks de 1176, il en a, je sais pas, 8 ou 10, et il va adapter le traitement à la machine qu'il va vouloir. Et à ce moment-là, le problème est réglé. Et oui, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des marques comme bon, Better Maker, qui bon, aujourd'hui fait un peu, excusez-moi, d'une certaine façon, a foutu un peu, a fait une espèce de gros doigt à tous ceux qui avaient les formats 500 et a développé les formats rack. Bref, mais West Audio fait ça à mort et fait ça super bien. Ça, c'est génial d'avoir une machine où vous pouvez d'un mix à un autre changer les paramètres et à chaque fois que vous passez d'un mix à un autre, les paramètres reviennent parfaitement en place. Le mapping est à faire une fois. Tu peux me dire combien il coûte ce contrôleur. S'il coûte pas trop cher, éventuellement, ça serait peut-être intéressant d'essayer. Mais je suis en terme en ce moment, je suis en train de papoter avec les gens de chez SSL pour faire un partenariat et faire des tests de leur machine. Donc, à voir. Allez, je repars sur le traitement de voix là. Et comme ça, on finira sur ça. Tout ce que l'on avait construit en 2 ans. Je déteste tout ce qui me rappelle à toi. Je pleure sur la lune de Solo. Je relis tes messages sans trop savoir pourquoi. Je guette tous tes gestes sur les réseaux. Je ne te demande pas de revenir, seulement de libérer mon cœur pour enfin me laisser revivre et me rendre mon bonheur. Je ne te demande pas de revenir, seulement de libérer mon cœur pour enfin me laisser revivre et me rendre mon bonheur. Je sais que ta peine égale ma souffrance, que l'amour éternel n'est pas une sinécure. Avions-nous tous deux perdu la confiance dans notre promesse, tout en deux. Mon meilleur allié était le temps. J'ai pourtant tout fait pour oublier tout ce que l'on avait construit en 2 ans. Je déteste tout ce qui me rappelle à toi. Je pleure sur la lune de Solo. Je relis tes messages sans trop savoir pourquoi. Je guette tous tes gestes sur les réseaux. Je ne te demande pas de revenir, seulement de libérer mon cœur pour enfin me laisser revivre et me rendre mon bonheur. Je ne te demande pas de revenir, seulement de libérer mon cœur pour enfin et me rendre mon bonheur. Je sais que ta peine égale ma souffrance, que l'amour éternel n'est pas une sinécure.
Avions-nous tous deux perdu la confiance dans notre promesse, tout en demi-mesure? Je vais bien, je dissimule mes blessures. D'une vie bien rangée, je subis ma vie noyée dans la luxure lunaire. J'ai totalement perdu l'envie d'aimer. Je ne te demande pas de revenir, seulement de libérer mon cœur pour enfin me laisser revivre et me rendre mon bonheur. Je... Il me faudrait le crème RC de chez Tegeler. Oui? Bah écoute, je vais te donner le numéro de ma femme et tu vas essayer de la convaincre. Bon, voilà. Bon, je crois que mon clavier est vraiment en train de mourir là. C'est très triste, mais je crois qu'à mon avis, je vais le démonter. Je pense que je vais aller courir m'en acheter un autre. De fait, je pense que je vais m'acheter un clavier sans fil parce que quand je fais les automations, j'aime bien. En fait, je voudrais bien avoir mon clavier ici ou là. Il me sert à rien en fait. Si je tape un texte, ben je tape un texte, mais en général, le clavier, il me sert juste à faire play, stop, et de toute façon, le transport, j'ai ici, j'ai plein de raccourcis, donc je pourrais l'avoir sur le côté, que ça ne me gênerait pas. Et là, je crois que les touches Alt, elles déconnent complètement. Enfin, c'est très bizarre, parce que ici, elles fonctionnent. Mais si je veux faire un copier-coller, ben, il ne me le fait pas, quoi. C'est très bizarre. Je vais réessayer juste pour le sport, par exemple. Vous voyez, au lieu de... Alors que si je le fais là... Vous voyez, il me le fait là. Donc, c'est très bizarre. Je vais essayer de le nettoyer, de le démonter. Et puis sinon, bah écoute, je m'en prendrai un nouveau. Il y a plein de bonnes réverbes aujourd'hui. Bon, pour moi, celle qui... Pour le coup, je m'en sers pas sur ce mix. Mais la Valhalla, pour moi, c'est celle qui est vraiment la... Le meilleur rapport qui a été pris à 50$, elle sonne la vintage verbe, elle sonne la folie quoi. Donc ça reste une très très bonne reverb. La 7-7 sonne super bien. Donc le bon, celle-là elle coûte un peu cher. Le package de chez Lexicon, c'est très 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 bien. Bon, ça coûte un petit peu cher, mais après, qu'est-ce que j'ai comme autre reverb? Je sais même pas. De fait, j'ai tellement de plugs que. Ouais, la Abbey Road là, de chez Waves, elle est pas mal, je l'aime bien. Bon, celles de chez UAD sont vachement bien. Il y a la, bon, bah, il y a la 480, la 224, les EMT, la 140, la 250. Tous ces trucs-là, ça, c'est vraiment des réverbes génialissimes. Rien ne vaut une réverb en dur. J'ai eu l'occasion d'entendre la vraie Bricasti, la vraie PCM 96, ça déboîte. Mais pour info, pour ceux qui ont l'occasion d'en choper une, chopez-vous une PCM 70 de chez Lexicon, c'est une reverb magnifique. Et aujourd'hui, ça coûte, donc ça se trouve plus en neuf évidemment, ça se trouve d'occasion, mais enfin, je crois que pour 3, autour de 300-400€, quoi, vous la trouvez. Et c'est une excellente reverb. Je l'avais, la PCM 70, et je l'ai tristement, stupidement vendue. C'était une énorme erreur de ma part d'avoir fait ça. Aujourd'hui, j'ai plus assez d'entrée-sortie pour pouvoir en analogique. Tout est occupé, donc je peux pas la racheter, mais je rêve de me reprendre une PCM 70 parce que ça reste quand même une. Donc les Eventide sont super. Je les ai en plug, hein, je les utilise ici, vous voyez. Voilà. Ça marche très bien. Bon, après, il y a d'autres personnes. Il y a Eric Bécard, dont je suis extrêmement jaloux, qui vient de s'acheter une 960 avec le Lark. C'est magnifique. Donc, il y a vraiment, au niveau des réverbes, aujourd'hui, on trouve des très très bonnes réverbes qui ne sont pas excessivement chères et qui font très bien le travail. Mais je peux vous dire qu'avoir une réverbe en dur
Je me rappelle quand j'ai eu la PCM 70, quand je l'ai acheté, ma PCM 70, et que la première fois que j'ai envoyé une voix dedans, c'était, j'en revenais pas, on pouvait en foutre des tonnes, une reverb en numérique, enfin en plug, parce que les reverbs en fait en dur sont aussi numériques, les plugs en fait, quand vous en mettez des tonnes, ça commence à devenir un peu pas très beau dans les aigus surtout, et vous êtes obligé de filtrer parce que sinon ça sonne pas. Et alors que la PCM 70, je pouvais en mettre des montagnes, je me rappelle, et ça sonnait toujours bien, ça sonnait toujours propre. Donc, ceux qui ont envie de se payer des reverbs durs, si vous pouvez, si vous avez envie d'acheter une reverb qui sonne de folie et qui coûte pas une fortune, la PCM 70, c'est magnifique. Moi, je rêve d'en avoir une. Voilà. Bon, on va arrêter là pour le mix. Pour aujourd'hui, je vais évidemment continuer à travailler. Je vais surtout me prendre une pause et je vais surtout boire un thé pour calmer ma gorge. Voilà, on a vu. Je pense que les questions qu'on a posées, j'ai répondu à peu près à tout le monde. Je suis content de voir qu'il y a quand même pas mal de gens, tous les gens qui suivent régulièrement ma chaîne, qui commentent et qui likent mes vidéos. Sont tous présents, donc ça me fait plaisir. Certains particulièrement. Je finirai quand même, je ne sais pas s'il aura l'occasion de voir le live, mais pour ceux qui le connaissent, mon bon ami Philimbert, qui en ce moment traverse une période un petit peu, d'ailleurs très compliquée, donc une petite pensée pour lui quand même. Je tenais à le dire dans ce live, parce que je sais qu'il ne pourra pas le voir. Peut-être qu'il le verra en replay, mais voilà, donc une petite pensée pour lui. Et voilà, donc sur ce, on va se finir. Le prochain live, je sais pas encore quand est-ce que je le ferai. J'ai là, la situation commence un peu, enfin la situation, la quantité de travail que j'avais, ça commence un peu à se calmer. Donc normalement, peut-être que je vais essayer de faire une vidéo classique, hein, ce que j'appelle classique, donc une vidéo qui sera tournée, montée et qui sera elle aussi en 4K et pas en 1080. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous, merci à tous d'être venus, je vous souhaite à tous un bon week-end, éclatez-vous, profitez bien, et on continue, continuez à regarder sur YouTube, continuez à regarder sur Facebook, sur Instagram, je poste régulièrement, et on se retrouve donc à la prochaine, à plus, salut à tous!